Vous n'avez pas de nom. Vous l'avez de outrage. L'étiquette. Il faut ouvrir la cage. L'étiquette ne permet pas que vous parliez à son Altesse. Je ne vois rien. Je ne vois rien. Ôtez ses paravents. Vous n'avez pas de nom. Ôtez ses paravents. Vous n'avez pas de nom. Je ne vois rien. Je ne vois rien. Je ne vois rien. Je ne vois rien. Mais je ne vois rien! Une heure par jour, c'est si court. C'est long pour ton modèle. Au début de la pose, ses joues trop poudrées sont blanches. Si je rajoute de la lumière, elles sont roses. Puis le soleil se cache, elles sont bistres. Et puisque tu vois les trois, peins les trois. Les transparences, Mathieu. Souviens-toi de Byzance et de Sienne. Tu peins d'abord la terre, puis le sang. Puis la lumière. T'es mignonne au moins, ta petite princesse. Elle est plantée dans sa robe comme un piquet. Jamais elle ne me regarde. Il n'y a point de situation, point d'histoire. Et l'histoire d'un portrait. Une jeune fille qui représente la maison à laquelle elle appartient. C'est l'histoire d'une solitude, Mathieu. Je n'aime point cette histoire. Et elle, l'aime-t-elle? Monsieur, je prendrai plaisir d'être seul. Je vous entends. Dieu vous garde. El pintor hace saber a su alteza que puede volver a sus aposentos y que le está infinitamente agradecido. L'âme est un mystère, Mathieu. C'est en prenant du recul qu'on s'en approche, quelquefois. Así, por la misma causa, es una de las cosas que más bien le está y que mejor le parece. El estado de la mujer, en comparación del marido, es estado humilde y es como dote natural de las mujeres la mesura y vergüenza. Y ninguna cosa hay que se compadezca menos o se desdiga más de lo humilde y vergonzoso que lo hablador. Y lo parlero, porque el hablar nace del entender,
y las palabras no son sino como imágenes o señales de lo que el ánimo concibe en sí mismo. ¡El estado de la mujer! Je peux travailler seule à présent. Allez vous reposer, princesse. Votre portrait sera achevé demain. Vous savez que l'étiquette ne permet pas que vous parliez à son Altesse. Je sais. Pardonnez-moi, monsieur. Et que ma joie demeure. El pintor no trabajará más hoy. Y espera haber terminado mañana. Welkom, meester Porbus. Dank u wel, mijn goede vriend. Ik hoop dat de weg niet te slecht lag. Nee, maar ik heb zo'n dorst dat ik een vat met repen en al zou uitdrinken. Maestro Porbus conoce algunos partidos en Francia mucho menos atractivos que su Alteza. Ah, je sais que vous pensez à la princesse Henriette Marie. Je vous suis fort obligé, monsieur. Il aura bientôt un nom, votre Mathieu. Il a déjà un nom. Tout petit. Il s'appelle Mathieu le Nain. Compliment, seigneur le Nain. El correo para Mané imparte el domingo. Habrá ya secado el lienzo. Dat zal ook maar gewoon zijn. Mathieu zal het gereed maken. Quand vous ne serez plus qu'un prénom dans le marbre, visage encadré d'or, errant dans l'Escurial, enfant, princesse, je serai ton silence et ton éternité.